Test match. Jeudi après-midi, au Mercure de la Porte de Saint-Cloud, les Springboks ont lancé le match. Dans leur viseur, les Bleus et Mathieu Bastaro, qu'ils considèrent comme un des principaux dangers. Dans la foulée de l'annonce faite par Guinovet à Marcoussi, le sélectionneur sud-africain Alistair Coetzee a en effet communiqué sa composition d'équipe, avec le jeune André Pollard titularisé à l'ouverture et le Toulonnais Duan Vermeulen au poste de troisième ligne centre. À lire aussi. Van der Merwe, le choix de la France est logique. À ce sujet, le sélectionneur sud-africain expliquait jeudi après-midi, lorsque petit Steph Dutoit s'est blessé, il nous a semblé important d'intégrer un joueur qui excelle dans la conquête aérienne. C'est le cas de Duan. Son leadership sera également très précieux au Stade de France. Concernant l'ouvreur des Bulls André Pollard, préféré au très créatif Elton Gentji, Alistair Coetzee a assuré que sous les conditions climatiques propres à l'hiver européen, la dimension tactique et le jeu au pied de Pollard pouvaient s'avérer hautement intéressantes. Enfin, à ceux qui croiraient les Bocs, affectés par leur défaite dans la course à l'organisation du Mondial 2023, Alistair Coetzee rétorquait sèchement. Nous aurions adoré pouvoir organiser cette compétition sur notre sol, mais nous acceptons le résultat. Les Springboks sont désormais concentrés sur le test. Nous avons un plan, et nous l'exécuterons. Mais je me méfie beaucoup de cette équipe de France. Son demi de mêlée, Antoine Dupont, est redoutable et Mathieu Bastaro reste une vraie menace.